Plus de la moitié des 800 étudiants de l'école avaient disparu dimanche. La police et les soldats œuvrent à retrouver et libérer les otages. Ceux ayant pu s'échapper ont raconté ce qu'il s'est passé quand leurs camarades ont été kidnappés. J'allais dormir quand j'ai entendu des tirs sporadiques. Avant que je ne sorte, beaucoup de personnes étaient déjà dehors. Nous pensions que c'était des soldats tentant de nous protéger, mais malheureusement, ce n'étaient pas des soldats. Quand j'ai décidé de courir, ils ont pris un couteau pour m'abattre, mais j'ai vite couru et je suis allé dans la foule. Ils ne pouvaient pas m'attraper. Puis j'ai mis mes vêtements à l'envers pour qu'ils ne me reconnaissent pas. De là, ils ont dit qu'ils tueraient tous ceux qui tentent de s'échapper. Puis j'ai commencé à courir, à escalader les rochers à travers la forêt.